Bonjour à tous les amis, c'est Blob Polo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, pour ma part ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et ça y est, je vous parle bien du nouveau restaurant qui est arrivé enfin et qui m'a été demandé par une personne dans les commentaires. Voilà, donc c'est un restaurant italien que je vous présente les amis, après McDo et KFC, voici... C'est un délarté, les amis. Alors, cette vidéo est une dédicace pour tous ceux qui font de l'italien. Pour tous les Italiens, pour tout le monde. Et pour tout le monde, je dis. Et surtout pour Dimala 1049, car c'est lui qui a eu l'idée de me demander de faire ce restaurant. Et j'ai fait rien que pour vous. Alors, bonne vidéo et bon visionnage. Nous allons commencer tout de suite. Attention, c'est parti. Et voilà, les amis. Délarté. Ristorante délarté. Mangez l'Italie. Regardez-moi ça, un restaurant italien que j'ai réalisé. Alors, ce n'est pas une copie, les amis, c'est tout sorti de mon imagination. Alors, j'ai mis les logos, c'est un restaurant dell'arte pizza pasta, c'est manger l'Italie. Donc, j'ai mis un petit drapeau italien, comme vous pouvez voir, et une petite tour, comme ça, avec l'entrée. Alors, j'ai mis un bon moment à le construire, parce que... Et c'était compliqué, il fallait chercher toutes les pièces. Et surtout, ça m'a donné beaucoup de temps. Donc voilà, on commence par derrière. Bon, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est... Voilà, il y a pizza dell'arte. Voilà, on regarde un petit peu autour du restaurant. Donc voilà, sans rien de plus. Des petits logos comme l'Italie au sommet. Il y a des pizzas, c'est vrai. Voilà, et puis il y a plein de petits éléments... indispensable que j'ai mis. Et voilà. Donc maintenant nous allons voir l'intérieur. Alors voilà, vous avez vu l'entrée. Maintenant on va, hop là, à l'intérieur du restaurant. Alors voilà, j'ai fait un immense bar, donc avec plein de petites boissons. Donc il y a Fanta, Sprite, Ice Tea. Bon, c'est écrit en tout petit, si vous voyez c'est bien. Bon, ouais, c'est pas grave. Là j'ai mis le petit logo dell'arte. Donc là c'est un manager qui sert les boissons. Donc un petit bar, là c'est la caisse, là c'est une machine à cappuccino. Donc on va tourner un petit peu de ce sens-là, voilà. Là ici c'est des personnes qui mangent. Bon là il y a toujours Apu des Simpsons qui nettoie le restaurant. Ici voilà, il y a des personnes qui boivent, qui mangent, des salades, pizza. Donc là c'est des petites lumières que j'avais jamais fait ça, le restaurant. Donc j'ai installé ça pour que ce soit un petit peu plus différent que McDonald's. Alors après, là, il y a des gens... Bon, il y a des petits éléments que j'ai retrouvés des autres restaurants, si vous avez remarqué. Là, c'est l'entrée, donc là, c'est carrément le derrière de la tour. Ensuite, là, c'est la salle du restaurant, donc avec plusieurs bonhommes. Ici, c'est les panneaux de menu. Donc là, voilà, bon, on voit pas très bien, mais c'est café, glace... Ici c'est du Bambino, Primo, bon on voit pas très bien parce que c'est l'imprimante. Voilà, mais sinon c'est bien. Alors là c'est le serveur qui va servir la pizza. Donc on va aller voir les cuisines. Hop là, les cuisines. Dans les cuisines, on a un four à pizza là, où on peut mettre des pizzas et tout. Voilà, là il y en a une juste là. Donc elle sort. Donc là on fait griller les pizzas. Si c'est une personne qui s'occupe de faire des salades et tout, et des plats. Ensuite, là, c'est quelqu'un qui s'occupe de faire cuire du poulet. Bon, là, il y a un petit peu à côté. Après, c'est des fours qui ont été récupérés de KFC. Et là, c'est une personne qui fait des gâteaux, tout truc italien. Voilà. Donc là, la cuisine. Et là, j'ai mis un petit drapeau de l'Italie, italien. Je savais pas où le mettre. Je l'avais imprimé. Bon, je l'ai mis dans la cuisine. Et puis là, c'est le local, bah, c'est les petites réserves, et c'est le local le ménage. Voilà. En tout, c'est tout ça, le restaurant dell'arte. Et tous les gens qui travaillent dans le restaurant possèdent au moins le petit logo dell'arte. Voilà, bon, il n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave. Voilà, mangez l'Italie. Voilà, là, il y a des petits fours, des petites sauces, et puis voilà. Et voilà, on retourne dans la salle du restaurant. Donc voilà, tous les gens qui sont là pour manger et qui inaugurent le restaurant aujourd'hui. Donc dans les boissons, on a du Buzz, Cola, du Coca-Cola, du Fanta, du Sprite et du Ice Tea. Donc voilà à quoi ressemble la bouteille d'Ice Tea.
Donc c'est tout petit, mais voilà. Puis voilà, et si vous voyez là, on a du Coca-Cola, du Buzz et du Fanta. Et voilà les amis, et nous avons terminé de visiter le restaurant que j'ai fabriqué. Alors si on voit la vue aérienne, hey, il y a des lartés, j'ai faim, je veux manger une bonne pizza. Et ouais. Donc il a fallu détruire le KFC et tout pour pouvoir le construire. Alors maintenant on va l'ajouter avec le McDo juste à côté. Et voilà, McDonald's 2017 et des lartés de 2018. Donc que je vous inviterai très bientôt. Et si vous voulez le refaire, vous pourrez le refaire. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, ça a été super d'avoir présenté le restaurant des Lartés. Je remercie un grand merci à Dibala 1049 de cette idée. Alors cette vidéo était une dédicace pour tous les Italiens qui existent, ben, pour tous ceux, tous mes amis. Donc il y a Mexan, il y a Benjamin, il y a Damien, il y a Louise, il y a tous ces gens-là. Allez, voilà. À très bientôt, les amis. Ciao. C'était Bloc Poulot. Et venez manger bientôt un hein, des Lartés. Mangez l'Italie. Ristorante.